Monsieur Onfray, le 4 juillet dernier, sur les ondes de Sud Radio, vous avez déclaré accepter de débattre avec un négationniste. Je pense que chacun a ses raisons de faire ce qu'il fait, de penser ce qu'il pense, et je ne criminalise aucune pensée. Donc, y compris des pensées dont j'estimerais qu'elles sont un peu criminelles, des gens qui expliquent, je sais pas, il y a jamais eu de chambre à gaz, par exemple, eh bien, je débattrai avec des gens pour leur expliquer qu'ils ont tort, pourquoi ils ont tort, comment ils ont tort, de quelle manière ils ont tort. Ah oui, alors Michel Onfray, c'est intéressant, c'est-à-dire que même pour les gens des, par exemple, vous débattriez avec des gens dits négationnistes. Ah là, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, vous débattriez, de toute façon, jusqu'au bout. C'est-à-dire que, ou vous défendez la liberté d'expression. Ouais, ou pas. Ou vous défendez la liberté de la presse, ou vous la défendez pas. C'est-à-dire ces gens qui défendent la liberté de la presse, sauf quand il s'agit de Russian Today. Ça veut dire que vous ne défendez pas. Vous savez, ces gens qui vous disent, je suis contre la peine de mort, mais je suis pour dans certains cas. Eh bien, ils sont pour la peine de mort. Eh bien, les gens qui sont pour la liberté d'expression, mais ne veulent pas qu'on s'exprime quand on pense comme ceci ou comme cela, qui sont pour la liberté de débat, mais on ne débat pas avec machin ou bidule, sont des gens qui sont contre, c'est tout. Il faut assumer. Ouais, ouais. Moi, je débat avec n'importe qui, de n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, parce que j'estime, je crois à la vérité, je crois à l'erreur, je crois au mensonge, et que, plutôt que de laisser courir les bêtises négationnistes qui font florès sur le net, il faudrait qu'on puisse avoir véritablement des débats. Feu Marc Sauté, qui était un philosophe qui avait beaucoup fait parler de lui au moment des cafés philosophiques, avait parlé du bombardement de Dresde, et immédiatement, quand il avait expliqué que c'était des crimes de guerre, si je me souviens bien, quelque chose d'approchant, tout le monde y était allé avec la moraline, et je ne crois pas à la moraline, je crois au débat, aux échanges, et à la possibilité d'être informé. Quand on est informé et qu'on a des informations, la plupart du temps, il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Je vous félicite pour cette prise de position. Ne doutant pas de votre sincérité, je vous invite à un débat qui serait organisé sur une plateforme internet, puis retransmis au public. Car je suis moi-même un révisionniste. J'anime un site à vocation didactique. En janvier dernier, il a été bloqué en France sur décision de justice. Nous sommes donc au cœur du problème de la liberté d'expression. Vous pouvez me répondre via mon blog. Un VPN vous sera toutefois nécessaire, car lui aussi a été bloqué en France sur décision de justice. Nouvelle preuve qu'un débat entre nous se révèle urgent. J'attends donc votre réponse, cher monsieur Onfray, persuadé qu'elle sera positive.